Salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et bienvenue dans ce 18e épisode de notre aventure sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Bien, bon, ça va faire au moins 2 semaines que j'ai pas foutu les mains sur ce jeu-là, j'ai même sincèrement hésité à le finir, après le dernier épisode là qui m'a gentiment gavé. En plus, je sais que je dois pas être loin de la fin là. À mon avis, il doit nous rester peut-être 2 ou 3 épisodes maximum à tourner là. Et je sais que les prochains ennemis que je vais croiser, ça va être les mêmes autres connards qui se téléportent dans tous les sens là. Ils sont juste insupportables. Bref, on va avancer puis on verra bien de toute manière. Donc j'ai pas bougé depuis la dernière fois qu'on s'est quitté hein, de toute manière, vous voyez, hein. Vous en êtes témoins. Et puis ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je pense que voilà, comme je viens de dire, on n'est pas très loin de la fin. J'espère le finir le plus rapidement possible. Parce que sincèrement, j'en ai marre. Sincèrement, ouais, j'en ai vraiment marre. Je le finis parce que maintenant, j'en suis à 17 épisodes, je vais pas m'arrêter là, ce serait débile. Mais honnêtement, c'est en train de se finir comme ça s'est fini pour les deux premiers opus. C'est-à-dire que c'est trop, quoi. C'est pour ça que je l'ai appelé le dernier épisode comme ça. Je veux dire, Uncharted, c'est un bon jeu, c'est un jeu qui est sympa. En plus, il y a de bonnes idées. Je veux dire, comment les énigmes sont super sympas et tout. Ça te donne envie de vouloir les résoudre et tout. C'est sympa, quoi, comme j'arrête pas de le dire. Les personnages sont attachants, tout le bordel. Le gameplay est pas trop dégueulasse. C'est juste que, putain, les mecs, quoi. Du gunfight sans arrêt, ça devient lourd, quoi. Il y a un moment, trop, c'est trop, comme je le dis, quoi. C'est sympa, mais il y a un moment, faut arrêter de déconner. Surtout quand t'es contre des mecs qui sont quasi immortels, là, et que toi, tu te prends 2 balles, tu crèves. Enfin bref, je vais pas recommencer. Ah, puis la dernière fois, j'ai coupé une séquence au montage parce que, sincèrement, j'ai abusé. Je l'ai pas laissé parce que là, c'était abusé. J'ai insulté absolument tout le monde. J'ai même insulté des gens qui passaient dans la rue complètement gratuitement. Oh, j'ai pété un plomb ce jour-là. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire une pause. Là, j'ai fait une pause de 2 semaines au moins. J'ai pu me calmer. C'est pas impossible que je reparte. Que je reparte de plus belle d'ici peu. Mais bref. Tout ce que je voudrais, c'est aller péter la gueule à l'autre connard. Là, j'ai déjà oublié son nom en plus. Celui qui a buté celui-là. Putain, c'est vrai que celui-là est mort en plus. C'est des... On va s'amuser, connard. C'est... Chapitre 22. Ceux qui rêvent un jour... Du jour. Ceux qui rêvent du jour. Chapitre 22. Il me semble qu'il n'y a que 22 chapitres, justement. On est à la fin. On est à la fin. Enfin. Bref. Non, j'abuse, mais bon. Il y a un moment, ça devient lourd. C'est très joli, par ici. J'aime beaucoup. Espèce de ville sous terre comme ça, c'est super sympa. Les ennemis qui m'attendent là-bas, là, ils sont humains ou pas? Ah, c'est juste une question. Savoir s'il faut que j'aille chercher mon char d'assaut qui est dans la ville d'à côté ou pas, quoi. Parce que sans ça, je vais juste me faire péter la gueule, quoi. C'est fini, Drake. Ouais, bah d'accord, puis les mecs ils me repèrent direct. Ok, c'est des humains. C'est des humains à peu près lambda. Faites-le sortir. Lâche ta grenade. Oula. Mais pourquoi vous tirez là-dedans, les mecs? Regardez, c'est une cité enfouie sous terre. Quel intérêt vous avez à détruire une si belle cité, quoi? Oh, super. Eh, ça, super. Bruti. Non, non, non. Détends-toi, mon gars, détends-toi! Lui, il va me faire chier. Allez! Oh! Oh, ce vol plané! Ce vol plané de l'amour! Oh, merde! Mais non, mais non. Ouch! Effectivement, ça fait mal. J'ai plus que deux. Ok. Je vais garder ça pour l'instant, parce que c'est ce que j'ai de plus efficace. Ça venait d'où ça? Aïe! 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 Non, non, non! Qui c'est qui m'a tué? Ah! Bon.
Un bon épisode d'Uncharted sans mort, c'est pas un bon épisode d'Uncharted. Non mais j'aimerais bien ne pas recroiser les autres fils de pute que j'ai croisés juste avant qui sont complètement immortels, même si je sais d'avance que ce sera pas le cas. Oh la vache. Non non non. Prends ça. C'est bon. Alors par contre il y a l'autre voilà lui. Prends ça. Voilà, ça va déjà te faire la bite. Voilà. Mais si, t'en veux aussi, toi ? Oh merde. Ouais, non, mais tu vas te détendre, par contre, mon gars. Non, mais je te le dis gentiment, hein. Je te le dis en toute amitié, juste comme ça, parce que je t'aime bien, tu vois. Et à un moment, va peut-être falloir que tu te calmes la bite. Tiens, voilà, fils de chien. Est-ce que j'aurais une petite arme, genre, je sais pas, un flingue ou un truc dans le genre. Bon, alors, attends, parce que... Putain, mais les gars, quoi. Les mecs, ils y vont à la grenade dans une cité pareille. Voilà, rien à foutre. Comment on recharge déjà? Je suis pas dedans les mecs, je suis pas dedans du tout. En fait, si vous voulez, je devrais éviter de m'énerver aujourd'hui. C'est parce que à chaque fois, c'est ce qui se passe dans quand je joue à Uncharted. Je finis par m'énerver. Grenade. Voilà, grenade, exactement. Pauvre abruti. Oh putain. Oh putain. Terminé. Ah, j'ai plus de munitions. Ah. Là-bas. J'ai eu peur, j'ai cru que ça avait disparu. Ouais, bah super, un fusil à pompe. Ça va pas forcément m'aider à distance. Oh, puis en plus, il y a un gros connard, quoi. Et merde, tiens. Oh merde. Bon, il est mort. Mais cache-toi, abruti. Putain, ça y est, ça va commencer. Non, mais y'a rien de plus gonflant quand t'as un connard, ton connard de... Puis voilà, tu vois. Y'a rien de plus saoulant, ce que j'étais en train de dire. Quand ton connard de personnage ne veut pas répondre à tes actions. Là, par exemple, je lui demande de se barrer. Bon, là, ça va, il se barre. Ramasse le flingue par contre, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Merci. Obligé de sortir de sa couverture. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un M9. Voilà, je prends. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je vais essayer de jouer calmement pour une fois. Hein, sans trop m'énerver. Petit bolt sniper, ok. Je vais le prendre, je vais le prendre. Juste, je fais un petit tour. Un petit tour des environs. Oh, lui il est mort. Lamentablement. Ça va pas m'aider du tout en fait. Ah non, parce qu'il n'y a plus personne. Puis c'est quand je vais sortir en bas qu'ils vont tous apparaître. Bande de fils de chien. Ah, nous sommes zen. Nous sommes calmes. Ah. Qu'est-ce que je disais? Ils sont où? Ah, ils se sont fait sauter la gueule en fait, cette bande d'abrutis. Bon bah écoute, ça me va. Moi j'aime bien quand les ennemis sont comme ça. Je peux pas interagir avec ça? Bon, apparemment non. Ok. J'aime bien quand les ennemis sont idiots au point de se faire sauter la gueule eux-mêmes. Ça me plaît. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ce principe. Allez, recharge-moi tout ça. Ok, allez go! Arrête d'halluciner, il est mort! Dieu merci. Tu vas
bien? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Et ça, c'est assez réel? Pointe jamais de flingue sur moi. What the hell? Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh hey, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Oh! Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? C'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais. Ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elisabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Ils voulaient pas de trésor, mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage, et réécrit l'histoire. On est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. D'accord. Donc j'ai fait un Reich Kit à cause des hallucinations. Normal. Regardez ça. La ville repose sur cette caverne. Ça a pas l'air très sûr, hein? Le moins qu'on puisse dire. On ferait mieux d'aller en bas. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Je venais tout juste de me remettre de ta mort. Putain. Les mecs, vous êtes pas sérieux, quoi. C'était que des hallucinations. Dans un sens, ça arrange. Au moins, j'ai la preuve que c'était pas réel, donc je vais plus recroiser cette bande de connards. Ok. Pouah. Bon, ça me rassure déjà un peu plus. Parce que là, honnêtement, là, j'étais pas sûr. Même là, ce train-là, j'étais pas sûr de le finir, le jeu, sincèrement. Là, ça va. Le bordel. Tu te sens prêt? Pas du tout. C'est parti. Si on m'affirme que je vais plus recroiser ces mecs qui sont complètement immortels, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Comment il fait pour courir au ralenti comme ça? Oh là 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 là. Merde. Putain, mais c'est une grotte Dwemer en fait, ça. On est dans un ancien temple Dwemer en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Incroyable. C'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface. Mon Dieu, regarde-moi ce plafond. C'est incroyable que tout soit pas encore effondré. Tu m'étonnes. C'est dingue que ça tienne encore. C'est ce que je viens de dire. Eh bah putain, en tout cas c'est classe, hein. C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bien. Par contre, je sais absolument pas ce que je suis censé foutre en fait. Écoute, on va avancer, on va suivre les marches. Ça brille, ça brille. Oui, ça brille, ça brille. Oui.
C'est là qu'on doit traverser. Aide-moi à ouvrir. Du coup, je pense que je vais faire qu'un seul épisode là pour le finir. Hein. Parce que, à mon avis, on est à la fin. Parce que, comme je vous ai dit, j'étais allé voir sur internet, j'avais vu qu'il y avait 22 chapitres. On vient de l'atteindre, le 22e chapitre. Merde, à terre ! Oh merde, quoi ? Où ça ? Qu'est-ce que. Il se passe quoi là ? En tout cas, la tête de Cobra est superbe là. Ah, mais il n'y a pas que la tête en fait. Ah ! D'accord. Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où les fils de putain ? La 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 la. Et tous crevés en enfer ! Bande de chiens galeux que vous êtes ! Voilà. Calme-toi, 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 la musique, calme-toi, calme-toi, je t'ai dit, calme-toi. Ouvre l'œil, celui. Oula. Tends-toi. Oh, merde. Un plus. Voilà, t'as prendre. Les mecs, ils y vont au laser. Dans un environnement pareil. Alors, apprends à viser plus vite, toi, mon gars. Parce que putain. Là, même pour toi. Ok. On est dans les rouages de l'usine. Dans les rouages de l'usine Dwemer. Il sort la tête. La tête. La tête. Ok. Et on est où là, bordel? Là, on est à l'intérieur du truc. La voie est libre, là en bas. Si je plonce dans la flotte, je deviens fou. Ah non, je l'étais déjà, c'est bon. Ici, il n'y a rien à faire. Okay. Allez. Ah, merde. Sully, il en arrive d'autres. Oh putain. J'ai plus de grenades. Voilà. Il est où ce connard? Sully, bute-le. Voilà, entre les deux yeux. Parfait. La balle ultime. Joli. Ça, je ramasse. Je vais rester au flingue quand même. Ah, ce bug, il était magnifique. Il était magnifique celui-là. Allez, mais tape! Crac! C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah! C'était pas prévu. Waouh! Ça venait d'où ça? Oh putain, puis je dois tout me retaper quoi. On les a piégés. Fais diversion, Sully. Bon, j'arrivais pas à viser forcément. J'étais en train de lire ce que j'ai, le trophée que j'avais remporté. Bonjour. Dieu. Et merde.
Ok. Wow ! Mais putain, ça vient d'où ce tir là ? C'est pareil, je me suis fait péter la gueule, je sais pas d'où ça tirait là. Ok, apparemment c'est à gauche. Là. Non mais vas-y. Ah bon, quand même. Ah parce que c'est bon, le gars, je l'ai tiré en pleine tête. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde quand même. Non, je vais regarder le... C'est un snipe, ok. Je suis désolé, je suis pas spécialement euphorique hein, pour cet épisode, chers amis, mais bon... Faut me comprendre aussi en même temps, hein. La dernière fois que j'ai mis les mains sur Uncharted, ça s'est très très mal fini, donc forcément... C'est pas que j'ai pas envie de le finir, mais c'est que j'ai pas envie de le... Enfin si, j'ai envie de le finir justement, comme ça au moins j'en suis débarrassé. Ok. Rentrons dans la grotte... Ah ! Je disais, rentrons dans la grotte ténébreuse. Bon, elle aura pas été ténébreuse très longtemps. Non mais crève aussi toi! C'est pas possible ça. D'accord, en fait je mets tout à côté. C'est normal que j'arrive pas à les buter. Je suis censé aller où là? Ah d'accord, tout simplement. Une chose est sûre, okay. Ils vont dans l'eau. Hey. Super. Pas lâcher ça. Mais par contre, tu prends pas les bouteilles d'oxygène. Ce serait pas un peu con des fois aussi, Sully, non? Putain, t'aurais dû rester mort, toi. C'est gratuité. Là. Sully, viens m'aider, on doit passer là. Puis dépêche-toi un peu. Et surtout, surtout et par-dessus tout, tu fermes ta gueule. Voilà. Parce que bon, ça va bien 2 minutes. Moi je m'étais habitué à plus t'entendre. Voilà le réservoir central, c'est là qu'ils vont être. T'es prêt? Ah ouais. C'est le pont qui traversait. Ça doit être là qu'ils vont. Mais elle est immense cette cité. Putain, j'avais pas vu que ça allait jusque là-bas. Ouais. Ce truc de fou. Sachant qu'en plus tout ça a priori c'était pas habité. Enfin je sais pas, moi j'ai pas vu de... J'ai rien vu qui pouvait soupçonner le fait qu'il y ait une habitation ou quelqu'un qui puisse y vivre. Que ce soit des... On dirait plus une grosse usine de... Comment on appelle ça? D'eau. Une grosse usine d'eau. Ça veut rien dire, je sais. Ça, non, putain, j'arrive plus à retrouver, forcément. Hein, pour changer! Oh la vache. En tout cas, c'est vraiment, vraiment chouette. Doucement. Faites attention. Et lui, non mais elle, faudrait lui caler une balle dans la tête, ça lui ferait pas de mal aussi. Son espèce d'accent anglais là, je peux plus la supporter. On doit sortir ce truc. T'as une idée? Vous êtes vachement discret les mecs là. Ils sont clairement plus nombreux. Et alors? On peut se séparer et les encercler. Ouais, ce serait le mieux. Vous êtes sûr de votre coup, là? Mais genre, personne l'a vu, quoi. Merde, il est où? Sully. Non. Bon, il va finir par vraiment crever, au final, hein. GG.
Mais vous allez faire comment pour respirer dans l'eau, les mecs? Bravo, il faut y aller. Cours! Allez, Sully, lève-toi. Viens. T'as pitié. Dis-moi que t'as pas avalé cette eau. Non. Je crois pas. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi on n'a rien de valeur. Viens, il faut filer. Ah mais, hé, vous êtes sérieux, là? Les mecs. Oh! Y a tout qui est en train de s'écrouler là. Il faut pas qu'on va se faire enterrer. Le sommelier qui s'en fout. Pas moi, putain. Non mais. Mais arrêtez. Mais putain. On va tous crever de toute manière. Arrêtez vos conneries, bordel. Donnez les loyers de Marlowe. Incroyable ça. Oh là là. Oui, voilà, ça c'est une bonne idée que t'as eu, mon gars. Voilà. Oui, j'ai pété un câble. Et alors? Ah putain, mais sans. Mais c'est. Cache-toi! C'est qui me tire dessus là? Et toi là-haut? Je vais reprendre un peu de ma santé. Merci. Oh là là! Mais je prends des dégâts, je sais même pas debout quoi. Cet endroit s'effondre. Aaaaaah! À chaque fois que tu dis ça. Donnez les loyers, Marlowe! Tout le monde dehors! Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient pas comment se faire enterrer! Quelque chose de lié qui s'en fout! Pas moi, putain! Eh hey, merde, tiens! Vas-y, amuse-toi pour viser aussi dans tout ce bordel, toi. Bon. Fini de rigoler. Oh, mais vas-y, il y avait personne là-haut, il y a 5 secondes, quoi. Ouais, non, mais voilà, je vais encore crever. Donne-moi l'arme, merci. Ok, je suis concentré, chers amis. Excusez-moi de pas trop parler. Je devrais éviter de crever encore 15 fois, là. Charger tout ça. Oh là là. Je fous tout à côté, putain, c'est incroyable. Allez, viens m'aider. Il y a tout qui s'écroule, mais les ascenseurs fonctionnent encore. Ouais. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi vous montez, les mecs? Il y a tout qui s'écroule. Mange ta grenade. Bah allons-y, on va monter, puisqu'apparemment ils ont envie de monter. Par ici, bah, prends ton temps, surtout, hein. Allez. Comment on va sortir d'ici? Bon, je vous le dis tout de suite, si ça fait un épisode d'une heure, ça fera un épisode d'une heure. Hein. Je termine le jeu aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Si ça fait un épisode de deux heures, ça fera un épisode de deux heures. Je m'en contrefous.
Je finis le jeu sur cet épisode. À point, c'est tout. Ça tombe en morceaux. Sans déconner. Descends de là. Descends de là. Allez, envoie-le le valser dans le décor, quoi. Mais allez, fils de pute, quoi. Oh putain, on est mort. Allez, crève. Chier, putain. Les mecs, ils ont une armure de fou furieux, quoi. Je sais pas comment ils font pour résister à toutes ces balles, mais ils y résistent. Vous en aurez rien à foutre. Ouais. Puis Sully, il branle quoi, là? À part lui-même. Comment on va sortir d'ici? La question à 5 000 $, ça. Les rouages. Sully, on va monter là-dessus, ok? Oh la vache. Sans déconner! Bon, alors c'est qui me tirait dessus? Voilà! À te faire mettre! Bah, l'autre, j'ai déjà monté en haut, donc comme ça au moins. Là-haut! Mais. Attention! Mais vas-y, mais. Mais non, mais descends toi aussi, putain! Ah! J'en ai marre, ça va encore très mal se finir cette histoire. Putain, prends ça et ça et ça. Bam. Allez, crève. Voilà, puis tu vas me donner tes munitions aussi pendant que tu y es. Voilà. Oh là là, oh là là, ah là là, ah là là. Allez, monte. Comment on va sortir d'ici? Ferme ta gueule! Les rouages! Qu'est-ce que. Non, mais vous foutez de ma gueule, quoi! Mais non, mais c'est juste une putain de blague, ce truc! Non, mais je suis Keblo dans le décor, quoi! Putain! Allez! Fais chier! Ce jeu en a après moi, c'est juste pas possible. Tout est fait pour me faire péter un câble. Sans déconner. Je crois que je viens d'avoir le bug que personne n'a jamais eu durant ce putain de jeu, quoi. Sérieux, je vais finir à l'asile. Je vais finir à l'asile à cause de ce putain de jeu de merde. J'en ai ta gueule. Mais d'où? Tu me touches pas. Voilà. Ah bah c'est bon, je vais le connaître par cœur. Regarde là, ça va trembler, je vais pas arriver à monter à l'échelle. Allez, tremble, histoire de dire que j'ai raison là. Allez. Tu vois, je te dis, il en a après moi. Voilà, c'est ce que je disais. Allez. Par ici, celui. Hey, par là. Mais comment on va sortir d'ici? Allez, ferme ta gueule. Les rouages. Putain, sérieux, je suis resté bloqué dans le décor, quoi. Ferme ta gueule. Toi, tu dégages. Tu dégages, j'ai dit. Merci bien. Mais genre, il a eu le temps de tirer, quoi. Ah. Allez, monte. Attention. Mais oui. Allez, vas-y, ferme ta gueule. Dans les couilles, comme ça tu viendras plus me faire chier. Puis ta descendance elle ira se faire foutre dans les ténèbres. Non, je m'énerve pas, non. Je suis serein aujourd'hui, ça se voit pas. Allez, sors de ta cachette, fils de chien. C'est la sortie. Il est mort, c'est un abruti, c'est pas plus mal. Eh ben, c'est la sortie, allez, cours. Ouais, j'avais dit que je ferais le 4, ouais, bah c'est pas encore sûr. Ah bah tiens. Bah bravo. Allez, laisse-la crever. J'ai tiré là.
Drake. Qu'elle aille se faire foutre. Est-ce que tu es digne de ce nom? Prends ça. Comme Francis l'a reçu d'Elisabeth. Prouve ta valeur. J'ai rien à prouver. Exactement. Là, tu me fais plaisir. Tu la laisserais mourir. Exactement. Oui. Nate, donne-moi ta putain de main. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fous? Je peux pas. C'est foutu. Je te tiendrai dans les fesses. Allez. Laisse-la crever. Voilà, elle l'a cherché. Non. On se confiasse. C'est violent. Hey. Non. Ouais, détends-toi, mon gars. L'autre, il va se transformer en Hulk en plein milieu de la pièce. Voilà. Cours. Allez, on se barre. Dépêche. Sully, il faut qu'on sorte de là. Tout va s'effondrer. Avec trois putains de balles. Mais comment on va faire pour faire ça? Avec trois. Eh bien. Oh non. J'ai oublié de sauter. Non mais j'avoue que juste avec... Wow! J'avoue que juste avec, comme il dit si bien Sully, 3 putains de balles, tout faire s'écrouler comme ça, ça me paraît un petit peu exagéré quand même, putain! Oh la vache! Non! C'est quoi cette cité qui s'engloutit sous du sable, quoi? Est-ce que c'est au moins possible? Tu vois que c'est... non mais tu vois ça que dans les films d'action ou dans les gens vus dans les jeux vidéo éventuellement. Oh la vache. Ne t'arrête sous aucun prétexte, Sully. Sauf pour moi. Et merde. Si j'avais besoin de ça. La lance. Prends la lance, Nate. Prends la lance et défonce-lui la gueule. Aïe. Ah, ce que j'appelle un coup. Ouch. Eh ben, j'ai un peu chié sur les esquives. J'ai essayé de la sauver, ta poufiasse là. Voilà. Mais putain. Voilà, et ferme ta gueule. Reste à terre. Le doux, je l'ai esquivé celle-là. Reste à terre. Non, enfin, pas moi. Lui. Sully, qu'est-ce que tu branles? Reste à terre, je te dis. Ah, putain, je l'ai loupé. Là, j'avoue, je l'ai loupé. C'est scripté. Eh bien. Ouais, enfin, inversement. Putain, mais les mecs, vous êtes sérieux là? Mais oui, mais bien sûr! Le chemin à la croche est tout tracé sur cette roche. C'était prévu à l'avance! Oh, Sully, défends-toi, t'en as vu d'autres. Tiens bon. Oh là. Voilà, c'est bon, je vais caler un chargeur, il va fermer sa gueule maintenant. Mais le mec, il a même pas de sang, ça veut rien dire. Merci, Tech. Allez, ça, c'est fait.
Voilà, 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 voilà. Oh mon dieu, non, non. Eh ben si. Pas grave, grâce à la magie du montage du jeu vidéo, j'ai revu. Ha ha. Cours, Sally. Ça me fait grave. Ça va pas le faire. What? Salim, venez, montez. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? Viens, allez, viens, vite. J'ai terminé le jeu là, ça y est. Bon bah je ferme ma gueule, je vous laisse apprécier. Richesse inestimable, hein? Ben... Ça fait pas beaucoup. Ça suffit. Ouais. Ouais. Estimez-vous au moins heureux d'être en vie, parce que là, ça veut rien dire. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y avait autant de sable qui... Ok, d'accord, j'ai compris. Comment il a fait pour venir l'autre? Ouais, cherche pas à comprendre. Au balcon. Attends un peu, Nate. Ça va? Ouais. Ouais, il y a juste un truc qu'il faut que je te dise, c'est tout. Ok. En fait, je suis vraiment mort. Tu sais, mon père était un nul. J'ai mal démarré. Arrivé à 40 ans, je me suis dit que j'aurais jamais de fils. Et j'en ai jamais voulu. J'y connais rien, moi, à l'éducation des gosses. Et puis, t'as débarqué dans ma vie. Et t'as pas... Non, non, écoute-moi. Il le faut. J'ai fait beaucoup d'erreurs au fil des ans, petit. Beaucoup. Et, je suis pas quelqu'un de parfait. Tu me fais ta demande, Sully. Je t'adore, non, mais... stop. Stop. Arrête de faire le malin juste une minute. Ça fait combien de temps que t'as ça? Trop longtemps. Je l'avais perdu. Tu sais, petit... On n'a pas le pouvoir de choisir ses débuts dans la vie. La vraie valeur... dépend de ce qu'on arrive à en faire. Hey. Hey. Tu vas quelque part? Peut-être. Je suis vraiment désolée pour ta bague. C'est rien. J'ai récupéré encore mieux. On se tire d'ici, d'accord? Ouais. Venez, c'est par là. Mais... Venez! Confiance. Qu'est-ce que tu mijotes? C'est pas vrai. Ah, il est moins beau que celui que vous avez détruit il y a 4 ans, mais c'est grand. Allez, voyons si je sais encore piloter cette sale machine. Dis-moi, il y a des parachutes, hein? Ah oui. Trois. Bah, plus ou moins. Cette fin de merde.
Je dois avouer que je suis déçu quand même, hein. Là, pour le coup, sur le scénario, ils avaient fait un peu plus d'efforts sur les deux premiers, quand même. Pourquoi cracher dessus, c'est pas bien, quand même. Putain, j'ai fini Uncharted 3. Ah non, mais j'en ai marre, là, c'est bon. Je suis enfin arrivé à bout. Putain, il aurait été court, quand même. Je sais plus combien d'épisodes j'avais fait sur les deux premiers. Bon, bah, quasiment autant, hein, tu me diras. Ah, il y a même pas 10 heures de jeu, quand même. Pas énorme, hein. Bref. Bref. Bon, bah voilà, au moins ça c'est fait. Je vais passer le générique si c'est possible. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'après ? Ta sauvegarde. À ta sauvegarde. Je patiente. Il y a que dalle. Bon, eh bah très bien. Non, je vais pas me connecter, laisse-moi tranquille, putain, vous me faites chier. Bref, allez, bon ben voilà, comme ça au moins ça c'est fait. L'épisode 18 est donc le dernier épisode d'Uncharted 3, l'illusion de Drake. Chers amis, ce playthrough est officiellement terminé. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire pour le remplacer. Je vous garde la surprise. En tout cas, bah écoutez, malgré, mis à part les deux derniers épisodes... Ce fut un plaisir d'avoir fait ce playthrough en votre compagnie, chers amis. J'espère que vous l'aurez apprécié, en tout cas. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur cette aventure. Merci d'avoir regardé, d'avoir mis un petit like quand l'envie vous en disait. Enfin, ouais, bref, ferme ta gueule, je suis en train de m'embobiner dans plein de conneries. On va arrêter cette vidéo le plus tôt possible, ce sera fait. Voilà, en tout cas, chers amis, un grand merci à vous tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis, bah écoutez, sur ce, on se dit à bientôt vers de nouvelles aventures. Un grand plaisir, merci à tous, je le dis jamais assez. Et puis c'est tout, ciao. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, chers amis. Allez, bye.